Chaque fois, j'oublie de mettre l'enregistrement, donc on peut dire aussi bonjour à YouTube. Ah bonjour YouTube! Parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils verront, ils ont raté tout le monde de glace. Que, bon, bah, du coup, peut-être que je le referai. Mais non. Boobies. Oui, toujours des boobs. Merci à Augur, merci à Brislam. Bien beau ton layout. Cimer Snow. DJ de Sora, Cimer. Bon, merci beaucoup pour tous vos GG. Eren Sandviné là, il a dit les mecs, en t'incluant dedans, tu nous caches des choses, Emra. Emra, c'est Nana? C'est pas vrai, XD, bon, peut-être un peu. Bon. Allez, j'arrête de le dire. J'arrête de lire tout et n'importe quoi du chat. Donc là, c'est un nouveau concept qui a inspiré encore une fois. En fait, je revais faire les étapes du Burger Quiz en changeant les noms. Là, j'ai pas encore mis les noms, j'ai pas trouvé des noms encore qui piquent pour celui-là. Donc en fait, là, ça va pas être compliqué. Je vais vous dire un truc. Ça va être ou Diddy Kong Racing, ou Diddy Kong Racing DS, ou les deux. Alors je vais vous donner un exemple tout de suite, pour ceux qui n'ont pas bien compris. En déplaçant doucement le cache, il y a des bananes. Il y a des bananes dans Diddy Kong Racing, il y a des bananes dans Diddy Kong Racing DS, donc c'est les deux. Si par exemple, si j'avais dit... on doit souffler comme un gogol. Là, vous me répondez Diddy Kong Racing DS. Non, il y a aussi des bananes, parce qu'il y a aussi des bananes dans Diddy Kong Racing. Donc vous avez le droit de marquer DKR, vous avez le droit de marquer DKRDS. Parce que vous n'allez pas vous taper tout le nom entier à marquer, ça va être beaucoup trop long. Et les deux, vous avez le droit de marquer en chiffres, en lettres romaines, vous vous faites plaisir. Par contre, bah, plus ça sera long, moins ça sera bon. Donc, est-ce que vous avez tous bien compris le truc? Donc, c'est ou Diddy Kong Racing, DKR, ou Diddy Kong Racing DS. Donc, l'épisode DS, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs différences, je vous en ai parlé depuis deux streams. Donc là, j'en ai pas beaucoup parlé. Mais en tout cas, je vous ai pas mal parlé de Donkey Kong Racing. Donc du coup, si c'est pas dans celui-là, c'est dans l'autre. Donc j'attends juste que vous me dites que vous êtes chaud. Je vous balancer le chaud ou ready. Enfin quelque chose, un signal pour me dire aussi que vous avez bien compris. Donc il y a un système de points et le gagnant gagne un GG montage les mecs. Vous le savez, je travaille dessus en ce moment. En fait. À la base, j'avais l'idée d'un GG montage. Je pensais que ça allait être facile, simple et tout. Et en fait, ça me prend un temps infini. Mais il va être stylé. Enfin, le résultat, je vous le donnerai pas tant qu'il sera pas. Il sera pas. Il sera pas. Ah, il y a Artenfall qui s'est fait kick par contre. Donc, on va attendre qu'il se reconnecte. On voit la source, c'est la barre de fer. Chaud patate. Ah, ok, j'arrive. Froid mais chaud en moi. Ok. RIP les oreilles de ceux qui ont un casque. Pourquoi qu'est-ce que j'ai fait? Parce que j'ai gueulé chaud comme un gros porc. Go for it, Sticks! Ok, Snowwolf. Ça mériterait peut-être un point, ça. Parce que c'était pas mal. Donc aussi, je vous rappelle une règle. Si vous êtes abonné à Twitter, enfin, si vous vous abonnez à YouTube et à Twitter, vous avez un point gratos. C'est comme ça, c'est cadeau. Donc les règles sont... Celui qui me donne la première réponse gagne un point. Et aussi ceux qui peuvent marquer des réponses en justifiant. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai un truc où il n'y a que dans Diddy Kong, que dans DKR, mais si vous complétez votre réponse en mettant un truc drôle, je vous file un point. Il n'y a pas de problème. C'est en fait le système, il est totalement pas objectif. C'est moi qui file les points comme je le veux. Si votre tête me revient, je vous donne des points. Moi je suis comme ça, c'est comme ça, c'est posé. Bon, mais évidemment, pour faire en sorte que le truc est juste, quoi. Donc là, c'est DKR. Donc là, ça ne compte pas, bien évidemment, pour ça là. Donc on va attendre que Ultra 81 il se reconnecte. Et après, on va balancer le truc. Comme ça, en fait, parce qu'en fait, entre Hachoum, si je sais pas s'il a répondu à l'avance à la prochaine question. Et je pourrais te mettre un malus pour ça. Donne-moi l'intitulé de la question. Donc vous êtes tous chauds, on va commencer. On va commencer. Donc je vais marquer au fur et à mesure les points. Encore une fois, il y a le système du crayon qui pue. Mais bon. Ah mince! Ultra 80, tant pis pour toi.
Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa. On peut l'attendre 14 secondes, je pense. Je me remets mon pantalon. Voilà, il est reconnecté et on peut go. Mais oui, mais bien sûr, il y a les 30 secondes de délai, trou de balleman. T'aurais pu commencer il y a 100 ans. Alors, je vais descendre et il faut que ça aille vite un peu, par contre. Je vais balancer, balancer. Ah oui, mais sauf qu'il y a le délai, donc du coup, il faut que j'attende quand même un peu. Il y a des pièces bananes. Dans quel jeu il y a des pièces bananes? Dans Diddy Kong Racing, Diddy Kong Racing DS ou les deux? C'est à vous de répondre. DKRDS pour Hatchoum. C'est Hatchoum qui gagne. Hatchoum a un point. Les deux. Eh ben non, il n'y a pas de pièce banane dans cet opus-là. Styx donne les points comme ça, lui chante. Est-il le fils caché d'Olivier Chiadobo? Je connais pas qui c'est, donc comprends pas la joke. Dans aucun, non. DKRDS, oh my god, il faut que je refresh. Eh oui, il fallait refresh. Je vous ai donné l'opportunité de le faire. Donc on va passer directement à la prochaine question. Donc c'est Hatchoum qui a gagné le point. Il faut être au taquet, les mecs. Taj est jouable. Dans quel jeu Taj est jouable? Diddy Kong Racing, Diddy Kong Racing DS ou les deux? Ça fait un peu musique d'ascenseur. Mais un peu musique d'ascenseur stylée quand même. Les deux. Ulta 80, c'est celui qui a raison. Taj n'est pas jouable dans celui-là. Taj n'est jouable uniquement dans celui DS. Donc, Ulta 80, un point. Dashpeed, il dit DKRDS. Dashpeed avait la bonne réponse. TT est jouable. DKRDS ou les deux? C'est à vous de répondre. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et oui, je suis un peu au taquet sur mon micro. Ce jeu me file une patate. En plus, je trouve que j'ai plutôt pas mal joué. Et je suis assez content de moi. Parce que je vous raconte pas, parce qu'après les trois dans Donkey Kong Country, putain, le moral il est à zéro quoi. Hashtag hasard. Les deux pour Sora Red. Sora Red, il gagne son premier point. Sora Red. Sora Red gagne un point. Mario Kart 7. Non, ça m'a pas fait rire. Victime de Mars, je suis désolé, tu n'as pas gagné de points. Tété, c'est un chanteur. Ou Teté plutôt. C'est qui Titi? Pour moi, Titi, c'est un smiley qui pleure. XD. Les deux. Titi, c'est la montre que je peux vous remontrer vite fait. C'est la montre qui est entre les deux, entre ici là et de l'autre côté, l'autre écran, l'écran de jeu, c'est la montre. Salut Titi. Allez, on continue. C'est qui a eu le truc là? Oui, il n'y en a que 3, donc c'est bon. C'est Sora Red. Sora Red, GG à toi. Il y a le logo Nintendo sur les drapeaux. DKR, DKRDS ou les deux? Bah, Wikipédia, ils se sont gourés, hein. Taj, il est pas jouable dans. Du coup, j'ai un doute. Mais Taj, il est pas jouable. Non, non. Titi, il est jouable dans les deux. Titi, il est. Titi, c'est Time Trial, voilà, c'est ça. Merci, j'ai eu deux. Titi est jouable dans les deux. Taj, non, par contre. Hein. Taj, il est exclusif à la DS. Et il est exclu. Il y a aussi deux autres personnages qui sont exclusifs à la DS. Trois autres, pardon. Stop Flood. Solarius, il dit les deux. C'est Solarius qui gagne un point. Désolé, j'ai été totalement inactif. Solarius gagne un point. Allez, on passe direct à l'autre question. Il y a des logos rares cachés. Salut à toi, Jace. Il est 3. La réponse Day.
DKR pour Emra. Ou c'est Nounours qui a répondu? C'est DKR. C'est DKR. Alors attendez que je regarde. Je pense que c'est Emra qui a gagné le point. C'était dans des. C'était. Ah putain, mais vous êtes chaud là, hein? Vous avez les points, ils sont pas mal dispersés, hein? On voit plus les boobies, je suis démotivé. Ah oui. Ah ça. Ils disparaissent. Salut à toi, Jace. Rare, c'est Donkey Kong. Exactement, je l'ai dit en plus, j'ai fait un bon topo dessus avant, les mecs. Les courses aux pièces d'argent, est-ce qu'elles sont dans Donkey Kong Country, donc DKR, Donkey Kong Country, dans Diddy Kong Racing, DKR, DKRDS ou les deux? C'est à vous de répondre tout de suite, c'est maintenant! Ouais, je m'étire un peu. Ah, voilà, ma souplesse extraordinaire. Ah, je peux pas plus. En tout cas, merci à tous de jouer. Ah, mon chat passe devant la webcam. Vous voyez son petit bout de queue et bientôt pouvoir peut-être voir son trou de balle. Je ne sais pas. Monsieur Sapin qui vient de se reconnecter pour ça. salut Jace. Alors c'est Boss Dick qui dit les deux. Eh bien Boss Dick il a un point. Putain, vous êtes chaud les mecs! Il n'y aura pas de gagnant. Vous avez... Ah non, mais il va y avoir 10 000 gagnants. Je pouvais pas pouvoir vous citer. Je pourrais pas vous tous vous citer dans le tweet là. Il faut que quelqu'un gagne un tant de souplesse que quelqu'un gagne. Donc souffler comme un gogol pour un super départ. Dans quel jeu c'est? Diddy Kong Racing 3DS ou les deux? Et je vais arrêter de répéter à chaque fois les choix que vous avez parce que c'est insupportable. Oh, elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne sur son arbre à chat. Oh, elle est belle. C'est ma souche. Sushi? Regarde là. Regarde là. Oh, vous avez vu son regard? Son regard plein de tendresse. Elle m'a dit. J'ai dit avant. Oh my god. Pour Boss Dick, il dit les deux. Ah non, c'est Sora Red qui gagne. Sora, t'as 2 points, mec. Alors, on va vérifier ça, Emra. Je vérifierai plus tard. Ça porte la poisse, un choix noir. Pas du tout. Elle fait la gueule, mais non, elle est contente. Je vais te bouffer, humain. Allez, on continue. Je vérifierai, Emra. Conkers. Alors, dans quel jeu il se trouve, Conkers? Et là, je vérifie. Bah non, Emra, t'as pas dit. Non, non, Boss Dick, il a dit avant toi, Emra. Il a dit à la même seconde, mais avant toi. Les deux. Conkers, c'est pas les deux, non, Boss Dick. C'était Diddy Kong Racing. Un autre point pour Sora Red. Sora Red prend le large, là. Tana. Tiny Kong. Elle se trouve dans quel jeu, les mecs? Putain, je le vois avant chez moi. Ah, bah, je suis désolé, Emra, mais j'ai vérifié. Il est vraiment... Ah, salut à toi, Sylvain. DS, DKR... Faux... Bah non, c'est Sylvain qui a gagné un point. Bostic, il a un point aussi. Les deux. Non, Tiny Kong, elle se trouve uniquement dans le remake DS. Allez, on passe direct à l'autre. Dorian qui s'est barré. Banjo. Banjo se trouve dans lequel? Dans DKR, DKR, DS ou les deux? Oh putain, Nounours, il a répondu direct? Non, c'est pas possible. Il y a des secondes d'écart. Non, c'est pas possible. Non, Nounours, t'es le seul à répondre. C'est pas possible. Ou Nounours, t'es dans mon PC là. Mais là, ça fait flipper. Ah, en théorie, c'est Nounours, hein. Tu t'auto-gagnes des points maintenant? Les deux pour Boss Dick. Dash Speed. Je dirais que c'est Dash Speed, mais dans le doute, je vais.
Je vais en mettre un à Nounours aussi. Comment c'est possible qu'il ait trouvé avant? Ouais, t'as le droit. J'ai dit que j'étais pas tendu sur les choix des réponses. Vous pouvez répondre DS, vous pouvez répondre DKDS. Vous avez compris. Ah non! Non, non, Banjo, il est uniquement dans DKR. Ouais, il répond avant. Facile, tu spammes les deux tout le temps. Bon, allez, on passe direct à l'autre question. Dixie Kong. Dixie Kong se trouve dans DKR, DKRDS ou les deux, les mecs? Je suis avant Nounours. Oh oh! Ouais, mais toi tu répondais à la question d'avant, Solarius. Top pop pop. Ouais, non, là, Dash Speed, il a gagné le point. D'ailleurs, il a été hyper performant, dis donc. Le 3DS, il y en a. Alors, les deux pour Boss Dick? Non. Dashpeed dit DS, c'est ça. Dashpeed, 2 points. Sharpelo Power qui revient, Doaner qui revient, salut à vous. Pipsy. Pipsy étant la souris. Alors, dans quel jeu se trouve-t-elle? Je boycotte le quiz JE2. Non mais après ce sera le choix avec les vraies réponses. Mais enfin quoi qu'il y a pas mal de vrais ou faux. Je connais vraiment rien, oh my god. DKDS pour Sylvain. C'est ça. Sylvain il a performé là. Ça fait deux fois là. Sur Soleil il est chaud. Snowwolf qui revient, salut à toi. Clerc qui revient. Whispug. Whispug est-il dans lequel? Le remake, pas le remake. Les deux, c'est à vous de me dire. Ah mince, il a... Ah oui, il a dit c'est à... Ah bah bien sûr que c'est les deux, Poubelleman. Mais non, Sylvain, t'as qu'un seul point. Me suis fait baiser. Les deux, pour Dashpeed. C'est Dashpeed qui prend un point, là. Ah, j'ai failli me faire baiser, merci, Balou. Je sais plus quelle question c'était. Les deux! Non, c'est Boss Dick qui gagne un point là. Boss Dick il est à deux points aussi. Ouh, vous êtes pas mal à deux points. Non, en fait, il n'y a que Boss Dick à deux points. Et il y a Sorared et Dash Speed qui sont à trois là. Et je crois que c'est le dernier. Bon, alors j'ai. c'est fini pour ce quiz. On va faire une petite pause. Je vais devoir réouvrir ça. Donc, je reviens sur l'écran. Vous avez le lien de mon YouTube et de mon Twitter en haut à gauche, les coupéens. Vraiment, pensez à vous abonner à Twitter et à YouTube. C'est hyper important. Ça nous permet de grandir. Ça permet, en fait, aussi à ceux qui nous ont recrutés de voir qu'on grandit, de voir que ce qu'on fait, ça plaît, qu'on trouve notre public. Parce que sinon, on se fait taper sur les doigts. C'est vraiment, vraiment très important pour nous, les mecs. Et ça, puis ça nous met du baume au cœur, quoi. Genre, je sais que vous appréciez ce que je fais, vous appréciez. Parce que le quiz, ça me prend du temps, ça me prend du temps de faire des nouvelles layouts à chaque jeu. Mais j'aime faire ça, parce que je trouve que c'est agréable pour vous, c'est agréable pour moi à faire. J'aime, j'espère que je vous procure des bons moments. Et la façon dont vous avez de pouvoir me remercier gratosement, sans que ça vous coûte un truc, c'est de désactiver votre adblock dans un premier temps lorsque je mets des pubs. Et aussi, je sais pas si ça va marcher. Non, je crois pas que ça va. Si, ça va marcher. Parfait. C'est désactiver. Et c'est de vous abonner à Twitter et à YouTube. Ça serait vraiment sympatoche à vous. Je sais que c'est toujours désagréable quand on se fait un peu de pub, mais c'est nécessaire. Donc sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt. A tout de suite. Je reviens d'ici 5-8 minutes après les pubs. Allez, la bise!